Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est toujours avec un grand plaisir que nous retrouvons nous aujourd'hui pour ce recette la Réunion recette d'un temps longtemps nous de ban anciens, Téifé fait pour notre plus grand plaisir et comme il ne il fait plus trop trop hein, donc euh, peut-être euh, le temps il manque peut-être aussi Nena en gelé de mauvaise qualité euh, que les gens ils préfèrent à consommer pour ce recette là il va falloir nous euh, de la morue puisque nous a fait et des pommes de terre ça fait un boulette pommes de terre avec euh, la morue il va falloir nous aussi euh, un demi-botte de PSI à peu près 250-300 grammes de morue euh, que Zod va éparpiller, euh, effeuiller dans, dans un bol il va falloir nous aussi euh, si Zod a bien laissé Zod morue euh, tremper, euh, des fois il manque sel à la fin, va, comme les pommes de terre que qu'on va mettre dedans les plates, alors donc il faut mettre un peu de sel dedans des fois si euh, il manque donc, il faut nous euh, du poivre, du thym, il faut nous aussi euh, de la farine pour préparer euh, euh, ce bonne boulette-là, et puis aussi de l'huile de friture. Le thym, comme Zotihuala, voilà, nous l'a effeuillé euh, quelques brins euh, en dedans et nous l'a bien mélangé avec euh, la morue. Nous va prendre des euh, oignons verts. Alors, les oignons verts, il faut nous à peu près un demi-botte pour un kilo de, de pommes de terre. Et euh, voilà le, le zaffin demi bot que nous va couper en fines lamelles et quand on a fini couper les simples nous mélange à lui avec euh, la morue nous mélange bien, nous euh, nous mélange tout, il y a alors de façon à tout il il mélange bien ensemble. Quand on a fini de mélanger les oignons verts, il va falloir nous aussi du persil que nous va couper, nous va hacher euh, finement. Euh, le persil, c'est fait les bons aussi pour le pollocons et euh, les infusions de persil, ils hein, viennent là-dessus. les est aussi pour Van de Moon. Euh, un gros penchant sur l'alcool c'est qu'il boit un bon peu alors euh, des infusions de PSIL les bons pour euh, que pour, pour arrêter un petit peu euh, l'alcoolisme de certaines personnes qui boit un peu trop nous mélange le bon euh, Persil, les oignons verts, tout ça là en dedans. Et ma deuxième fois, nous aussi, du poivre hein, que nous va écraser. Euh, Préféré comme d'habitude, comme il dit, du poivre en grains. Les, les plus goûteux n'a plus de saveur que le poivre en, en poudre que nous achète dans le commerce. Et euh, des fois on, là, on ne connaît pas où ça est là-dedans. Hein. Des fois on a un peu de poussière dedans. Euh, voilà. Donc le poivre que nous va mélanger avec euh, les oignons verts, le persil, la, la morue. Et c'est un les boulettes de pommes de terre longtemps, m'y rappelle longtemps, nous Gramoun quand tu fait ça, euh, tu prends le temps surtout les après-midi, tu prends le temps ou sinon ça le dimanche, bah, tu fait des boulettes de pommes de terre pour manger. Elle avait point tous ces bonnes affaires que nous mange comme là à longueur de journée euh, les bannies euh, snacks comme on Alors que Néna, en longueur de journée que nous sommes manger, nous ça consommés en grande quantité et des fois n'est pas bon pour pour le corps. Hein. Les bons, les euh, vrais vrai que Banay fait de la nourriture, elle est bon aussi. Bon ben. Après, s'il nous mange trop, trop souvent, n'importe quel lieu, n'importe quel moment, il n'est pas bon. Nous, on euh, prend les bandes pommes de thé que nous va écraser à l'hu euh, avec une fourchette, comme on l'a pris là. Sinon, ça, ça un petit peu passé euh, dans, un, dans un hachoir à, à main. C'est tu écrase à main, hein, comme Banay fait la purée dedans là. C'est un petit peu fait à ça, comme ça, et écrase à l'hu finement. Il ne faut pas nina des, des morceaux de pommes de thé hein, en dedans. Le, la consistance, euh, il doit être à peu près comme vous voilà là. Hein. Il ne faut pas que l'huile soit trop sec. Et de toute façon, dans les pommes de thé, il quand même un petit peu d'humidité. Euh, les oignons verts aussi, il un peu d'humidité. Quand ça va écraser, au fur et à mesure, vous allez voir que il devient à peu près euh, comme la consistance que nous voyons là à l'image. Alors ici, la Réunion nous on a quand même de, de bons produits, hein, des produits des pommes de thé qui poussent ici. Hein. Les pommes de terre, elles sont pas les pas européennes. C'est la affaire. Ils sortent là-bas, par côté, euh, par côté euh, l'Amérique euh, là-bas, et donc elles ont été importée euh, par un bouc. Si je ne me trompe pas, tu appelles Si je ne me trompe pas, l'affaire comme ça. Donc, il y a de pommes de terre. Et aujourd'hui, les pommes de terre sont utilisées à travers le monde pour bon peu, bon peu affaires Alors les pommes de terre, on peut consommer lui aussi en, en frites. Et quand nous consommons un en frites, c'est vrai qu'il boit un bon peu l'huile en dedans, même que Zot va essayer de dire qu'il ne pas trop l'huile dedans, Zot euh, sera obligé de consommer de l'huile. Voilà, donc euh, nous fermes la parenthèse, nous reviens sur notre euh, recette de boulettes de pommes de terre que nous pouvons faire aussi avec euh, du du à pain. Zot peut faire des boulettes de pommes de terre avec euh, du fouillis à pain. Alors, pour, euh, avant de faire frire, nous va commencer par euh, faire des boulettes. Moi, m'a fait des boulettes à plat, un petit peu comme euh, bonbon piment nous fait ici euh, à la Réunion. Et moi, m'a la justement euh, la main pour pas que le pomme de terre y colle dans dans notre main. Et quand il colle, il n'est pas trop 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 gaillard. Et quand on a fini de faire euh, on a nos deux boulettes. Alors, nous mettre la marmite sur le feu. Nous mettons une bonne quantité d'huile en dedans, euh, nous laisse l'huile bien chaud et nous largue le boulet euh, en dedans. Et euh, le boulet pomme de terre, quand on nous fait friter, il est un petit peu fragile quand même, hein. euh, donc il faut faire attention, pas trop larguer les fonds. Et lui va friter à peu près euh, comme ça, bien rougi de, 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 de chaque côté. Alors, nous peut consommer ça avec du riz blanc. Euh, c'est vrai que vous avez dit, moi c'est un féculent. Bon, donc euh, du riz blanc, euh, avec aussi un, un petit sauce piment vinaigre, avec ou sinon ça, pour arranger la bouche, euh, un bon euh, rogaï, tomate, il passe bien. Voilà comment on va ressortir cette boulette, euh, la morue. Il peut sortir un peu plus joli, il prend le temps. Mais à on n'y en retrouve.